Dans la vie, nous rencontrons tous des moments difficiles. Parfois, nous avons juste envie de mourir. Mais au moment, nous nous rendons compte de la réalité. Et la seule chose qu'on a envie de faire, c'est passer et aller de l'avant. Nous avons tous besoin de reconstruire nos erreurs. Nous passons par divers moyens pour arriver à nos buts, dont la vengeance. Le garçon que vous voyez s'appelle Stan. Il a traversé une grande guerre, une guerre de sang, une guerre qui l'a beaucoup coûté. La chose que nous oublions avec la vengeance est que cette envie ne vient que de l'émotion, pas de la conscience. Cette envie ne vient pas de la tête et du cœur. Évitons de faire les choses juste avec le cœur et réfléchissons à ce que ça donne. Il paraît souvent impossible de se lasser de ça, mais nous pouvons tous le faire. Par rapport à Stan, sa vengeance a été tout simplement causée par la mort de son père. Papa, tu es mon fils. Comment être aussi fort que mon fils, il faut que tu t'appuies. Mais t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Mon fils, tu sais très bien qu'il n'est pas de ta vie. Tout ça, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Ça faisait déjà des mois qu'on attendait dans le quartier un groupe de jeunes qui assassinaient les parents. Hey, laisse mon père! Fiston, vas-y, je te retrouverai après. On ne savait pas la raison pour laquelle, mais ils le faisaient sans pitié. La mère de Stan était décédée et avait déjà là deux Papa! Ans dans un accident de voiture. Papa! 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 Stan aimait son père plus que tout. Il était tellement traumatisé que même sortir de là était très difficile pour lui. Papa! 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 La chance que Stan avait, il avait Fabien! Et ses anciens camarades, Fabien. Les gens de son quartier ont pu vite percevoir son problème. Ils sont allés appeler son nom. Stan. Thank you.
maman. Ah, je suis là. Comment se porte Dan? Enfin, avec toi. Le business. Ça va, il doit mieux. Donc, on essaie d'aller, ouais, même comme c'est un peu dur, tu vois, déjà là. Sinon, tout roule. Oh, ouais, ça roule. On se bat avec de ton côté, tu gères ce moment. J'ai tout près ce moment. Yes. Comment va la famille là? Ah, mais non seulement j'ai comme la galère, nous taillons seulement. Tant que la famille. Depuis il y a 3 mois que ton réveil est mort, ce n'est qu'au dès que tu viens nous y a. Et qu'est-ce qui t'amène ici? Donc, en fait, il y a un de nos amis dont on a assisté à l'assassinat de son père. Donc, c'est comme ça que son grand est venu nous aider à nous venger contre ceux qui ont tué nos parents. Un de ses grands, il fait quoi dans la vie pour vous aider? Bon, en fait, il est dans l'armée et il a décidé de nous aider pour nous venger contre ceux qui ont tué nos parents. Ah, si je comprends bien, vous étiez à deux dans un camp d'entraînement. Non, nous avons augmenté au fil du temps. Bon, ne me raconte pas tes salades d'entraînement. Raconte-moi juste l'essentiel. Et pourquoi est-ce que depuis 3 mois, c'est maintenant que tu viens nous annoncer que ton père est mort? Bon, cette histoire a commencé comme ça. Lors du jour de la mort du père de Stan, c'était juste un peu avant. Il s'était rencontré avec son ami Junior. Junior qui lui aussi a subi l'assassinat de son père devant lui. Il était tout à fait traumatisé. Ce qui l'amena à voir son ami quand son père est mort. D'où ils se sont rencontrés ensemble et ont décidé de faire quelque chose. L'idée a été donnée par Stan de se venger en faisant appel au frère de Junior qui avait un frère soldat. Voici donc cette négociation. Stéphane était son frère de sang, pas de même père, mais de même mère. Je te comprends, mon petit.
Veux-tu te venger? Oui, je réclame la vengeance. Alors, que veux-tu que je fasse pour ta vengeance? As-tu vraiment besoin de mon aide? Oui, j'en ai vraiment besoin, puisque tu as fait 5 ans de formation dans l'armée. J'en sais que tu en es capable. Frérot, j'ai vraiment besoin de ton aide. Sois-en sûr, frérot. Je vais t'aider. Sinon, la famille se porte bien là-bas. Ouais, gars, la famille se porte bien. Il y a la maison. Il y a la forme, gars. Ah, ça va aller, gars. De ton côté, c'est comment là? Chez nous, si on pousse, on met la cale, papa. Ça ne va même pas faire. J'ai été vu dans les bâtiments là-bas, mais confirme, gars. J'espère que ça va pas aller, frère. Ouais. Et là, c'est parce qu'on les laisse là. Ça va encadrer que les bons petits ici. Oui, je confirme. Mais entre temps, tu n'as pas les éléments là-bas? Non, bon, j'ai quelques combis là. Des combis? Ouais, confiance. Bon. Moi, je n'aime pas les piscines dans les piscines des mains. Parce que j'ai un bon petit comme avoir confiance. Donc, frérot. Yo. C'est d'ici que nous sommes chez CEPA. Oui, c'est ça, gars. Mais tu m'avais parlé de certains éléments. Hein. Oui, c'est ça. Ah, ok. Tu m'avais parlé des éléments qui sont dans la même situation que toi. Ouais, ok. J'ai besoin de ces gens pour les aider et les former un peu comme toi, tu vois un peu. Ah, donc, bon, pour les rendre un peu comme moi. Tu vois un peu de temps, c'est le... Ok. Il n'y a pas de problème. Il n'avait pas eu de problème à convaincre son frère. Son frère le comprena et ce qui amena cette histoire. Allô? Stan, ta mission a été accomplie. J'espère que tu es prêt. Papa? Stan. Ça fait déjà un bon moment que le chef nous appelle. J'ai fait un rêve. J'ai vu une personne. Et la personne dont je pensais voir était mon père. Pourtant, c'était toi. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Cela veut dire tout simplement que ton père te manque. Bonjour mes soldats. Bonjour chef. Nous avons tellement évolué jusqu'ici. Rendons grâce à Dieu. Amen. Vous avez déjà reçu toutes les bases. À partir de la semaine prochaine, nous allons passer à un autre entraînement. À partir de la semaine prochaine, vous allez affronter vos ennemis finaux. Mais d'accord. Quoi? Attends, c'est celui qui a présenté le bébé là qui a encore se plaindre. Tu fais alors quoi ici? Je ne go pas. Je vais rester combattre mes peurs. Je m'excuse.
Aujourd'hui, nous allons faire quelques entraînements. Voici les papiers. Nous allons procéder au bras de fer. Donc, ils vous font tester vos capacités en vous faisant les bras de fer. Ils veulent gagner. Vous pouvez déjà commencer. Mais c'est puissant. Un type aussi minuscule que toi. Car ta salive pour toi. Qu'est-ce que tu m'as gagné? Non. C'est parce qu'il va manger au matin. Et la prochaine activité sera quoi? La prochaine activité, c'est la course. Allez-y, courez. À vos marques. Vas-y, mon champion. Petit, c'était ici, c'était le gars. Partez. À vos marques. Partez. Venge-moi, Miguel. Ne me raconte plus tes salades là, raconte-moi juste l'essentiel. Tu te racontes comme ça, c'est pour bien t'expliquer, pour que tu comprennes bien. En fait, tu es devenu un professionnel en histoire. Le star, oh, tu m'as manqué.